Bonjour, mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre tirage tarot. Pour le mois de septembre 2024, eh bien, qu'est-ce que la vie vous prépare? Donc, on va voir tous les détails. Eh bien, je commence. On va regarder pour vous l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre? Donc, qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, très intéressant. Vous savez, je dois vous dire, donc, vous serez ce magicien, premièrement. Vous allez vous sentir quelqu'un très fort, puissant, sûr de vous. Peut-être vous pouvez vous réaliser dans le travail, réaliser vos idées créatives, géniales, ou dans votre vie globalement, vos plans, idées, projets, tout mettre en place. Dans la vie amoureuse, ça montre ce monsieur, ce magicien, quelqu'un qui n'est pas banal du tout. Un homme qui peut vous surprendre, peut-être avec lui la relation ne sera pas banale, donc il y aura quelque chose que vous ne planifiez pas. Attention, c'est un grand séducteur, donc, et après les cartes me confirment cela. Vous savez, eh bien, pour beaucoup de gens, peut-être il y aura le coup de foudre qui vous attend. Donc, vous savez, peut-être la rencontre que vous ne planifiez pas, ça peut vous surprendre toujours. Pour mesdames, cet homme, il peut justement vous impressionner par rapport à sa personnalité. Peut-être il aura des surprises quand même incroyables. Vous savez, je vois justement ici, donc, un indice sur votre vie amoureuse. Parce que, regardez, donc, pour vous, je vois cette carte des amoureux qui est magnifique. Vous savez, quand peut-être ça sera important pour vous, que votre vie amoureuse se développe, il y aura des sentiments qui arrivent et ça évolue en même temps. C'est les cartes qui peuvent montrer les déclarations d'amour, demande d'un mariage, c'est possible, quand vous pouvez soit créer votre couple, soit créer votre famille. Donc peut-être même si vous avez déjà votre famille, les cérémonies, les fêtes vous attendent au mois de septembre, peut-être les anniversaires ou d'autres événements dans la famille. Donc magnifique, mais je vois globalement qu'il y a ce bonheur qui arrive, donc vous profitez de la vie ensemble avec les personnes que vous aimez, donc voilà. Et bien, je pense que quand même un grand accent ici, ce que je vois sur la vie amoureuse, donc voilà. Vous savez, je vois un indice qui me montre que peut-être soit en ce moment, soit déjà depuis un moment dans votre vie, vous êtes un petit peu en attente d'avoir une évolution, le progrès, réaliser vos plans, projets. Peut-être si dans la vie amoureuse, vous attendez faire cette rencontre ou avoir une évolution ou quelque chose de plus sérieux, plus intéressant. Peut-être que vous attendez cette déclaration d'amour de la part de votre partenaire. Donc, je vois quand même, vous savez, déjà un petit conseil pour vous. Pendant ce temps, vous pouvez profiter peut-être les circonstances pour faire votre analyse, voir tous les pour et les contre. Quand peut-être il y a aussi des idées originales qui peuvent apparaître dans votre vie, quand vous pouvez trouver des solutions qui ne sont pas ordinaires, de cette situation qui n'évolue pas, peut-être aussi voir cette situation sous un autre angle, peut-être faire vos conclusions et vraiment peut-être même vous-même quand même vous pouvez sortir de cette situation quand il n'y a pas d'évolution et vraiment avoir donc ce progrès dans votre vie. Donc vous savez, je vois également cette carte qui me montre le résultat dans le travail et aussi le travail en équipe, ça sera important pour vous au mois de septembre. Donc peut-être il y aura nouveaux collègues qui vont apparaître, quand vous pouvez créer votre partenariat, collaboration, mais ensemble, vraiment, vous avez cette réussite, le résultat. Peut-être aussi, éventuellement, vous avez votre entreprise, vous êtes votre propre chef, dans ce cas, auprès de vous, il y aura des bons professionnels, et quand ensemble, vous arrivez vers la réussite, et en plus, c'est le résultat qui évolue quand même, c'est pas la situation qui stable complètement, non, il y a toujours ce progrès, l'évolution que vous avez. Mais vous savez, globalement, je vois cette carte, le magicien, je pense qu'il montre vraiment tout, confiance en vous, quel que soit votre plan, projet, votre idée pour le mois de septembre, vous réalisez cela, donc vous possédez vraiment tout dans votre caractère, l'expérience, la motivation, détermination, votre envie, vous prenez le risque, mais absolument tout pour vraiment avoir la réussite et donc recevoir ce que vous souhaitez.
Vous êtes ce magicien ou cette magicienne. Et bien sûr aussi, donc, je vois quand même que votre vie amoureuse se développe. Et donc, préparez-vous à avoir de très bonnes surprises. Et je pense que pour mesdames, il y a un monsieur en particulier qui peut vous surprendre beaucoup. Et bien, on va voir la suite. Carrière, finances, la vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend ici? Qu'est-ce que nous devons savoir? Eh bien, très intéressant. Vous savez, je dois vous dire quand même, ça, quelque chose d'important peut se passer pour vous. Donc, je vois vraiment ces deux cartes qui sont très fortes et magnifiques, qui me montrent un nouveau départ. Bien sûr que ça peut montrer tout simplement que la période des vacances, l'été, ça se termine et maintenant, nous avons la rentrée. Eh bien, il faut commencer, on va dire, cette nouvelle année professionnelle. Mais je vois quand même pour certaines personnes, quand vous pouvez avoir une évolution, peut-être un nouveau poste, parce que cette carte dans ce tarot, la naïve, qui me montre que vous vous lancez dans quelque chose que avant vous n'avez jamais fait. Ça peut être un nouveau poste avec plus de responsabilités que avant vous n'avez jamais exercé. Ça peut être une nouvelle profession, c'est possible. Peut-être vous avez une mutation, vous commencez le travail dans une nouvelle ville, dans une nouvelle entreprise, donc c'est possible. Donc voilà, mais je vois quand même qu'il y aura de nouveautés dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Peut-être pour la jeune génération, ça montre que vous commencez votre premier travail après les études. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, mais vous savez, quand vraiment vous vous lancez avec cette curiosité, vous prenez le risque pour commencer quelque chose au mois de septembre. Et en plus, vous savez, une autre carte qui me montre que vous pouvez même monter sur un autre niveau. Tellement ça sera important. Quand vous savez, peut-être quand vous tournez une certaines pages dans votre carrière, vous prenez des décisions assez importantes et il y a cette nouvelle étape qui arrive pour vous, mais c'est quand même la carte qui montre reconnaissance professionnelle. Oui, ça peut être une évolution, un poste que vous méritez, ça peut être aussi une reconnaissance financière. Peut-être en fond, vous allez avoir l'augmentation de salaire, plus de primes, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et quelque chose que vous méritez en même temps. Ça peut être, vous savez, pour certaines personnes, quand vous recevez un diplôme, une médaille, donc une lettre de félicitations, par exemple, ou peut-être pour certaines personnes, vous prenez la retraite, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est aussi un petit peu ce statut qui change pour vous. Donc, voilà, eh bien, et vraiment, vous vous lancez dans votre nouvelle vie. Donc, voilà, vous savez, je vois, attention, je vois en même temps que vous pouvez avoir une concurrence. Et en plus, ça peut être un petit peu une mauvaise concurrence. Quand peut-être les gens ne montrent pas leurs vraies attentions, quand vous pouvez avoir éventuellement des intrigues derrière vous, c'est possible. Mais en même temps, dans ce tarot, cette carte, ça montre que peut-être, même grâce à cela, vous pouvez faire un pas incroyable. Quand peut-être cela peut vous pousser de vous montrer de quoi vous êtes capable, de vous battre, mais c'est comme la carte de progrès aussi, de victoire que vous pouvez avoir, même si peut-être ça ne sera pas facile. Et donc là, vous devez montrer vraiment votre courage, votre talent. Mais nous avons vu la carte le magicien au début, c'est tout à fait dans votre pouvoir de surpasser n'importe quelle concurrence. De confiance à vous. Vous savez, je vois un autre indice, ça peut montrer soit au positif, tout ce qui est lié à l'international, les perspectives de travail, soit à l'étranger, soit peut-être vous allez trouver le travail dans une entreprise qui est connue mondialement ou qui s'occupe d'import, d'export, quand vous pouvez avoir les clients étrangers également. Peut-être il y aura besoin d'approfondir vos connaissances d'une langue étrangère, culture, d'un autre pays, c'est tout à fait possible. Mais vraiment au positif, c'est tout ce qui est lié à l'international, ou peut-être même quand peut-être vous devez faire des voyages d'affaires et vous devez par exemple changer la région, vous avez la mutation et vous changez la région, ou peut-être même vraiment la frontière entre les pays, donc c'est possible. Mais vous savez, de l'autre côté, ça peut montrer que vous avez certains limites, barrières par justement cette mauvaise concurrence que vous devez surpasser, mais dans ce cas, il n'y a pas de retour en arrière.
il vous reste vraiment un pas à faire pour avoir cette situation qui évolue, qui se développe, avoir le réussite, un très beau résultat. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, de l'autre côté, je vois ici un petit peu l'énergie de madame et monsieur, mais globalement, je peux vous dire qu'il y a le succès qui vous attend. Donc, vous pouvez avoir une très bonne réalisation. Donc, on voit ici vraiment monsieur qui est sûr de lui. Quand vous donnez de l'argent dans vos mains, donc ça peut être toujours que vous avez plus de salaire, prime qui arrive, donc une évolution, quand la reconnaissance professionnelle, donc c'est tout à fait possible. Vous savez, cette réussite. Et de l'autre côté, soyez diplomate. Les cartes me disent cela, c'est-à-dire que d'un côté, soyez souple. Ici, il ne faut pas dominer. Plutôt, il faut trouver une approche avec votre direction, les nouveaux clients, les nouveaux collègues, c'est possible, ou peut-être même avec vos concurrents et même des gens qui vous font des intrigues. Donc là, il faut trouver comme une certaine souplesse, avoir cette intelligence, être diplomate et peut-être aussi ne parler pas ouvertement de vos plans, idées, de votre réussite à tout le monde, parce que bon, vous pouvez avoir des gens qui sont très jaloux autour de vous, parce que comme vous montez sur un autre niveau dans votre carrière, il y a peut-être plein de perspectives qui vont apparaître pour vous au mois de septembre. Donc ça provoque un petit peu la jalousie. Donc voilà, et bien, on va voir la suite. La vie amoureuse, et bien, très intéressant. Donc nous avons déjà vu un petit peu qu'est-ce que les cartes vont nous ajouter en plus, qu'est-ce qui vous attend. Et bien, très intéressant. Et bien, vous savez, je vois quand même les changements très positifs, global pour vous. Je vois la carte, donc la justice qui me montre les grandes décisions que vous pouvez prendre, et peut-être même quelque chose prédestiné qui va se jouer pour vous au mois de septembre. Vous savez, pour mesdames, je vois d'un côté, soit ça peut indiquer votre grossesse et ça peut vous inquiéter, peut-être ça sera une surprise pour vous, quelque chose que vous ne planifiez pas. Donc, soit ça peut être, vous savez, quelque chose caché, un secret caché. Donc, mais je vois quand même plutôt ici, plutôt la grossesse et ça peut vous donner des inquiétudes, mais je vois quand même pour vous, ça peut être comme un retournement de situation, ça peut être vraiment peut-être votre destin et la vie vous pousse vers cela, et peut-être même ça peut provoquer après pour vous la création de la famille, parce que je vois ici la carte justice, ça peut montrer que vous pouvez avoir la signature de documents officiels et votre relation devient vraiment officielle, un engagement vous attend, le mariage, et de l'autre côté la carte hiérophante, ça me montre la création de la famille, bien sûr aussi votre décision d'être en couple, créer la famille, donc la naissance des enfants c'est possible, et aussi vous savez quand vous pouvez avoir des grands événements dans votre famille, des cérémonies, si par exemple vous prenez la décision de vous marier, vous pouvez même avoir la cérémonie à l'église. Donc voilà, et bien, et peut-être vous savez aussi quelque chose qui peut vous inquiéter, éventuellement l'organisation, un petit peu votre futur, donc c'est possible, et je vois également pour vous une autre carte qui me montre que vous devenez vraiment une épouse, ou dans votre vie amoureuse, la relation avec votre partenaire, vous devenez cette femme stable, vraiment votre relation se stabilise, mais par rapport à d'autres cartes, je vois plutôt pour vous qu'un engagement vous attend. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, si même il y a eu quelque chose caché, vous savez, ici je vois pour certaines personnes plus d'indices que vous pouvez avoir éventuellement un conflit ou une déception et ça peut vous bloquer en ce moment, et bien cette situation il se termine pour vous, donc regardez, je vous montre les cartes et vous savez, peut-être même vous pouvez exagérer vous-même plus, ça peut vous donner des peurs, des angoisses et c'est exagéré, donc vous devez vraiment vous relaxer parce que regardez après par rapport à cette situation difficile qui peut vous poser, je vois pour vous la carte tempérance qui me montre que vous allez trouver la paix, sérénité, donc ce conflit il sera derrière vous, ça se termine pour vous et vraiment c'est aussi un petit peu la guidance de la vie pour vous, donc que votre vie amoureuse évolue vers quelque chose plus sérieux, donc la relation officielle c'est tout à fait possible et vous devenez vraiment votre époux. Donc, épouse. Vous savez, je vois au même temps, donc, que peut-être vous allez aussi penser à votre budget en commun et vous êtes une femme amoureuse. Quand même, les cartes me montrent cela. Donc, oui, bien sûr, je pense que ici, écoutez votre cœur. Les sentiments vont vous donner une bonne guidance pour le futur. Mais donc, là, ici, je pense que déjà, vous pouvez vous projeter un petit peu vers l'organisation.
de vos finances, si vous créez un petit peu votre famille, comment vous pouvez faire des achats en commun. Donc, ici, pour vous, tout peut devenir sérieux et vous vraiment vous surpasser ce conflit. C'est tout à fait possible. Eh bien, on va voir la suite. Les surprises. Donc, très intéressant. Les surprises et la chance que la vie vous donne. Qu'est-ce qui vous attend ici? Eh bien, donc très intéressant. Vous savez, je vois pour vous les cartes magnifiques. Déjà, regardez, donc, les finances arrivent pour vous. Ça peut être que grâce à votre réalisation ou l'évolution dans le travail, il y aura plus de primes, salaires. Quand vous pouvez aussi faire des achats assez intéressants, assez chers pour vous, pour votre plaisir. Vous pouvez faire des placements financiers également. Ça sera vraiment pour vous cette chance. Beaucoup de choses qui vont vous donner du plaisir. Ça peut être aussi des cadeaux, des compléments, des surprises. Donc, mais vraiment, vous vous faites plaisir au mois de septembre. Donc, voilà, ça, c'est quand même positif. Vous savez, je vois aussi pour messieurs, donc l'énergie de madame, eh bien, vous savez, peut-être cette femme, elle va jouer un rôle important parce qu'ici, je vois que votre relation, elle va durer avec des années. C'est une femme qui est digne, à qui vous pouvez faire absolument confiance. Donc, ici, je vois quand même un indice sur la vie amoureuse qui se développe et vraiment, quand vous pouvez faire une union, et votre relation, elle va durer avec des années. Vous savez, en même temps, faites attention parce que je vois quand même, toujours, je pense que c'est la carte me confirme que dans votre milieu professionnel surtout, vous avez cette mauvaise concurrence. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas vous empêcher de vous réaliser. C'est un petit peu la concurrence, en même temps qu'ils sont insignifiants. Ils peuvent vous faire des inquiétudes, les petits dégâts, mais ils ne peuvent pas vous empêcher d'avoir la réussite dans votre vie. Mais soyez quand même attentifs parce que moi, je vois quand même qu'il y a le résultat qui arrive dans votre vie, surtout des finances, de très bonnes finances, et vous profitez de la vie, et ça sera une surprise pour vous. Eh bien, on va regarder pour vous la carte de conseil. Qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, vous savez, donc les cartes se répètent. Pour vous, je dois vous dire, toujours pour mesdames, je vois cette carte de grossesse, eh bien, soyez attentifs. Mais peut-être toujours, c'est un événement important que vous devez avoir au mois de septembre. Donc, peut-être déjà, le conseil du tarot pour vous, écoutez aussi votre intuition, que ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous savez, je vois également, prenez le risque. Donc là, ici, vous ne devez pas vous bloquer vous-même. Peut-être faire trop d'analyse, vous savez, vous projeter dans quelque chose de négatif, ça peut vous bloquer plus. Prenez le risque, soyez courageux. Donc là, ici, vraiment, vous devez être actif aussi dans votre vie parce que je pense qu'il y a des changements qui arrivent, il faudra s'adapter. Et vous savez aussi cette carte tempérance qui se répète, c'est-à-dire que vous devez trouver une certaine harmonie, sérénité, peut-être, vous savez, trouver le temps pour tout, pour le travail, aussi la vie amoureuse, vos loisirs, rencontre avec des amis. Donc, et vous savez aussi, la vie va vous guider vers les bonnes personnes, des bons changements qui vont se produire dans votre vie, mais globalement trouver une certaine harmonie, et ça, c'est important. Vous savez, votre un petit peu confiance, donc ce sentiment de bien-être, donc ça, c'est un petit peu le conseil pour vous. Mais globalement, le mois quand même, plein de changements quand même. Donc, mais surtout, vous devez croire en vous. Tout est dans votre pouvoir. Vous êtes ce magicien. Donc, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour vos super 5. Si vous voulez me remercier, vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, le destin vous appartient.